Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est Kaito et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Tale of Berseria. Après pas mal de trucs étranges, hein, on va pas se mentir, j'ai pas tout compris ce qui s'est passé, mais bon, on va déjà se donner la camomille et ensuite on va aller dans les équipements. Alors la lame de fluorite est maîtrisée au maximum, donc ça c'est très bien. Donc là, les bottes de calcite, tout est maîtrisé, ouais. On va aller ici. Oh putain. Oui, donc toi aussi, c'est tout maîtrisé. Très bien. Ah, voilà, la lance de calcite, la hallebarde. On va commencer par le pic de guerre. Et on va partir sur des bottes d'ambre. Voilà. Et l'habli de fluorite est maîtrisé. On va partir sur l'habli de combat. Voilà, parfait. Ça, c'est bon. Parfait. Non, c'est pas parfait. On a oublié deux autres. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Ici. Parfait. Et toi, on va te mettre l'anti-arrêt. Les bottes de fluorite. C'est bon. Les bottes de 4 sites. Ouais, il faudra que tu passes sur des bottes de fluorite après. Le gilet de calcite, on va passer aux épines. Et puis, voilà. Donc, on va monter. On va monter. Et puis, alors, déjà, on a vu Edna. Donc, ça confirme bien ce que je pensais. C'est que Aizen et Edna sont bien... Enfin, c'est bien le Aizen dont nous parle Edna. Parce que il y avait pas mal de références à Zestiria, de clin d'œil à Zestiria, mais il n'y avait pas encore eu un gros truc. Là, on a bien vu Stena, et on avait vu Zaveid aussi, donc c'est vrai que voilà. Mais on n'avait pas encore eu de gros trucs, et là. Là, si, là, c'est confirmé, c'est bien, voilà. Bon, déjà, avec Zaveid, c'était confirmé. Mais, bon. Quand même pas mal de trucs qui sont étranges, hein. Déjà, je me demande si le pistolet que Zaveid aura n'est pas, genre, une arme que Melkur va faire. Vous savez, genre, un test... Enfin, il va la voler, et puis, boum. Donc, heureusement que je suis monté, en fait, parce qu'on ne devait pas aller du tout en haut, hein. Suivez Zaveid et Melkor. Ouais, mais alors, je sais pas du tout où ils sont partis, donc... Bah, sûrement ici, de toute façon. Sûrement ici, ouais, voilà. Ah, merde, on n'a pas changé... あいつ、それに孤独と対魔師が本気を出せば奪う必要はない。それに暇。瞬きするほどの間に術の仕組みを読み取る術がある。操る。引くときに目的は用途は用途するのが別態であるより、もたらす。だったらその用途とやらを一つだけ聞かせろ。 なぜジークフリートを持ってる。頼むって渡されたんだよ。タイマシ部隊に刺激されてアイフリード捕獲作戦に駆り出された。ザビーだもん。ああ。可能。だがアイフリードが撃ったこいつの一撃で目が覚めたんだ。そっからのアイフリードとの喧嘩、あいつ人間のくせにやたら強くてよ。 じじいが現実気に入らねえんだよ。人の意志に。なぜジークフリートではなく、探してるお宝がこれだと知らなかった。狙いに気づいたアイフリードは連れ去られる直前、じじいの目、これが俺の知ってる全部だ。ならいい。はあ、いい。アイフリードは 信じた相手にしか頼む。それは。お前これからどうするつもりだ。
Faut que je change sa tenue. Là, c'est plus possible. Je suis désolé, mais là, c'est plus possible. Alors, tenue normale. Tenue de maillot de bain. Uniforme école. Tenue de... On va mettre la tenue de compte, encore une fois. Avec le haut de forme, voilà. Les illusions de Melchior. かけ続けられたら現実と最も現実。そうか、現実なら相手に憎た人道的ってわけ。さすがメルキオル様は清涼創設以前組織編成から防衛戦略敵対する相手に際もさあれは体の傷は治る。そのとそうしょげるなよ。えげつないのは事実だが、 Bon, du coup, on part où? Retourner à Vanetra. Vanetia. Ok, alors. Non, fiole sacrée, fiole d'Enor. Non, fiole d'Ina. À l'entrée d'une ville déjà visitée. Ah non, on peut pas utiliser hein, la fiole d'Inop. C'est spécial, c'est très spécial. Moi j'ai. Ok, on va repartir par là. Du coup, on fait demi-tour. Alors. Là, pas de. Ok. Donc, va falloir qu'on fasse. Ah merde, je suis retourné sur mes pas. On aurait dit un Lucario. On aurait vraiment dit le cri de Lucario. Voilà. Il y a trop de monstres qui nous courent après. Putain. S'il vous plaît, calmez-vous les monstres. Il y en a trop. Eh merde, j'ai pas pu les prendre. Ah. ジークフリート。いや、俺はもっぱらっけ。ザビーダの使い方からの推測。力を増幅。瀕死のレジェンドワイバーも逃げる力を得た。だがメルキオルの現実は。あれも増幅じゃ。術の源である精霊の。さじ加減一つで毒にも薬にもなる。問題はあれを使って何を。 ボロクズのように捨てた、もしくは捨てられた偽りの知らぬ女。実は結ばれなかった初恋相手が亡くなってて、それならお互い別の人と結婚した後に真の恋心に気づいて。こいつはライクセット。とにかく。 Cet épisode s'appellera Recette pour l'amour.
Un truc du genre, parce qu'alors là, oh mon Dieu. Ah, un coffre. Ah, pas assez. D'ailleurs, je me demande si c'était pas ce coffre-là déjà que j'avais voulu ouvrir et que j'avais pas eu assez. Mais enfin. Bon, très très drôle cette petite partie sur la sœur de Aizen. Bah, enfin, c'est pas que c'est la sœur d'Aizen. Nous, on sait parce que, enfin, moi je sais parce que je connais Tale of Zestiria. Donc, putain, cours vite, il va me toucher. Eh merde. C'est quoi ce délire? Attends, wesh. Ok, c'est X. Oh là là! Je lag un peu quand même. Prochaine fois, promis, je mettrai le truc qui permet de d'avoir le jeu en plus fluide. Hop. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas regardé au quel niveau on était monté parce que. Oui, effectivement, quand même, on a pris 3 niveaux en l'espace de d'un combat là, c'est assez là. Ça c'est bizarre, j'avais cru avoir vu de Ah d'ailleurs, Velvet a obtenu un nouvel art, je voudrais voir c'est quoi. Froid contraignant. OK. OK. Donc un art hauteur, ça va être plutôt pas mal. Non, c'est par là. C'est par là. Donc un art hauteur, c'est plutôt pas mal. Bon, après, on en a déjà. Je crois qu'on en a déjà, hein. Je suis pas sûr. Ah non, c'était celui-là, le coffre qu'on devait prendre. Et je crois qu'il est à 145 lui aussi. Si je dis pas de conneries, normalement. Ouais, 145. Bon, de toute façon, on va retourner au port et puis. Puis voilà. Du coup, pour retourner au port, la solution de facilité, ce sera par là. Son cri me fait penser à la Poraille. Ouais, il y a pas mal de cris de Pokémon qui me font penser. Enfin, de cris de monstres qui me font penser à des cris de Pokémon en ce moment. Ça devient grave, docteur. En fait, c'était pas du tout par là que je voulais aller. Je vais pas vous mentir, c'était pas du tout la rue, enfin la direction que je voulais prendre, mais bon, on arrive au point, donc on va dire que c'est pareil, hein. Ok. Donc là, on a de quoi ouvrir un coffre déjà. Ouais! J'adore le cri de ce monstre. Merde, c'est en face. Vous savez, on dirait le genre de mec qui. Qu'est-ce que tu fais à ma copine? Ça m'étonnerait pas qu'il hurle comme ça. Hein. Moi, ça me ferait rire. Hein. Ne touche pas ma copine! Pardon. Je suis désolé. Vous infligez ça, c'est quelque peu. Oui, du coup, on doit retourner au Vanestria. On va d'abord aller au monsieur, parce que normalement, j'ai tué un code rouge.
parfait. Et il n'y a pas de nouveau monstre, ok. On a Ouroboros. Ah ouais, Ouroboros. L'Ouroboros qui est un... Attendez, wait. Il y a deux coffres dans cet endroit. Alors ça, je suis sûr de l'avoir pris ce coffre. Ouh là là. Peut-être que je l'ai oublié. Attendez, parce que du coup il reste un coffre quelque part. Est-ce que... Ah bah non, il est là. Vous êtes sérieux? Celui-là, je l'ai pas pris. Pourtant, il était cramé d'office. Ouais, je l'ai peut-être pas... J'ai peut-être pas fait attention. Bref. On va continuer. Ça sent les ennuis. Non, c'est bon. Alors ça, c'est quand même chelou, hein. Je veux dire, notre tête est mise à prix, hein. Faut pas croire. この地区の島に行ったんだが、嵐が収まるまで船着き場に泊まりたかったんだが、海、クラゲの化け物みてえなのは甲板に上がってくるし。ナメクジは塩水に弱いでしょ。俺もそう思ったんだけどさ、海牛でも生子でもねえし、まあ近寄らないに越したことはねえが、もし第4種の、うん、清涼が決めた対ゴーマ戦略上の区分で、 どの程度ゴーマを制圧第1種から第3種までは大麻市が適宜配備され、安全が、つまり第4種、本来なら王国全土の安全を保障すべきですが、辺境や離島などは大麻市を配備せず立ち入り制限を行うことで被害を。船の連中は島の近くまで行けたと言い、危ないから行くなと遅れを出しておしまいせよ。離れ小島を囲えるわけ。 禁じた場所へ行くのは勝手じゃが、助けには行かん。そもそもゴーマを制圧できていれば本音では清涼も近づきたくないんだろう。清涼もお手上げも危険地帯、放置しておきながら管理と。第4種管理地区、私が清涼査察官として聞いたことがあるのはその10カ所の正確な位置も。現在清涼が撤退したんだ、おそらく。 Vous pouvez désormais... Oh! Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Bah, écoutez, les amis. J'ai un petit peu court comme épisode, mais c'est pas grave. Ah bah, voilà. On va avoir de quoi rallonger un petit peu l'épisode. Oh! Élève brillant. Donc, on a obtenu de la patate et de la mayonnaise. Bah écoutez, hop, c'est reparti. Infozone, ok, une liste des compétences. Vous pouvez utiliser deux compétences à la fois. D'accord, donc en fait, il y a 20 compétences à débloquer. Et on en a 4 pour le moment. 1, 2, 3, 4. Bien, bah écoutez les amis. On va s'arrêter là pour cet épisode. Je vais juste voir ce que... Non. Dégâts réduits de 20%. Ok. En tout cas, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Vous connaissez, bye. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine tout le monde. Bye bye.